Lycée bilingue d'Etoukébé, ce mardi 30 mai 2023, les candidats du DCI, assis deux par banc, affrontent les épreuves d'économie sous l'œil vigilant des surveillants. Cette première expérience pour certains se passe plutôt sans anicroche. Au terme de l'épreuve de la matinée, les élèves se disent sereins pour la suite. Un matin, on a écrit le premier papier. C'était pas trop difficile. Maintenant, on prépare d'écrire le deuxième papier. On ne sait pas ce qu'on va nous donner, mais on connaît que ça va passer bien. C'était abordable, les épreuves. Oui. Donc, pour la suite, on attend voir. Ah, on avait d'abord commencé avec les QCM. Au début, là, c'était un peu facile. Après, il y avait aussi les questions qui étaient aussi un peu corsées. Mais après, au niveau, je me suis dit que bon, il était commencé à être fatigué. Après, il commençait à dormir. Après, encore, il commençait à faire les épreuves. Mais on peut dire que c'était aussi un peu facile. Dès 8 heures, la cloche retentit, marquant le lancement officiel des épreuves. Les consignes du chef de centre sont connues : distanciation et fouille systématique des candidats. Aucune erreur n'est permise en cette période de l'année scolaire qui s'achève. Le chef de centre, au micro, nous rassure qu'aucune absence n'est enregistrée dans son sous-centre.